Nouveau numéro de votre émission, l'invité de Irénier, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Perfect Télévision. Le numéro d'aujourd'hui sera focalisé sur les processus électoraux. Actuellement, les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont déposé leur candidature à la Commission nationale, à la CENI, bref. Et parmi eux, nous avons des acteurs politiques comme Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Mapon, Franck Diongo, Adolphe Mouzitu ou encore Martin Fayulu. En dernière minute, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Nous attendons la candidature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce qui est sûr, sa famille politique a déjà annoncé officiellement, l'a également investi. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir pour vous Nico Faye Mbikaye. Avec lui, nous allons centrer cette émission sur la candidature unique de l'opposition. Quel acteur politique convient? Quel profil pour le candidat unique de l'opposition, mais les candidatures aussi des acteurs politiques de manière générale? Nous accueillons notre invité. Bonjour Nico Faye. Bonjour estimé. Je vous salue une fois de plus. Je salue aussi le téléspectateur de Perfect Télévision Générale et de l'invité Irénier en particulier. Je crois que ça fait au moins 20 minutes. Oui. Exactement. Entretenu sur votre plateau. Nous voici, nous en sommes là. Il y avait des problèmes, mais voilà, Dieu aidant, nous sommes là pour la République et à chaque fois qu'il y a une invitation de la République. Quel type de problème, par exemple? Je vous le dirai en privé. Oui. Vous pouvez poursuivre, il n'y a pas de souci. Pour la République et surtout que nous traversons une période très cruciale, une période préélectorale, une période pendant laquelle il y aura beaucoup de turbulences, il y aura beaucoup de tensions. Et pour cela, il faut arriver à faire la socialisation politique. Il faut arriver à prêcher aux Congolais, à discerner le bien et le mal. Alors, nous allons y arriver. Ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, en fait, un grand débat arrivé surface, et surtout avec le changement en dernière minute de Martin Fayulu qui s'était déclaré non partant pour le processus électoral. Mais aujourd'hui, il a décidé, en fait, de déposer sa candidature. Il l'a fait et ça tire dans tous les sens. Certains se permettent même de qualifier Martin Fayulu pour un traître, mais ça ne passe pas parce qu'en réalité, Martin Fayulu avait ses revendications, bien que ces revendications-là n'ont pas encore trouver solution, mais quand même, ça doit être une bonne nouvelle pour Martin Fayulu de rejoindre le train des élections, parce que aller aux élections sans Martin Fayulu, n'est-ce pas que c'est quand même dérangeant. Oui, et si estimé, mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer de rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 76 jours. 76 jours. Pour la tenue des élections. C'est-à-dire 76 jours pour ce qu'on dit par le Belge. 111 jours pour la fin de mandat. Parce qu'il ne faudrait pas confondre la tenue des élections et la fin de mandat. Et pour cela, j'en appelle à tout le monde, s'il y aura élection, que chacun fasse sa part.
payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de France. Abandonner beaucoup de banderoles, abandonner les affiches. Cet argent soit consacré dans le paiement de témoins. Il faut plus que les témoins fassent encore les bénévoles. 126 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été arrêté dans les conditions que nous connaissons, on pensait que le ministère public qui s'était permis d'arrêter en enjambant les procédés, comme c'est pour la convocation et le mandat de convocation, il avait estimé bon de procéder par le mandat d'amener. Lorsqu'on procède par le mandat d'amener, il y a des éléments, il y a des critères, il y a des conditions qui concourent à cela. Est-ce que les poursuivis n'avaient pas une adresse connue? Est-ce que les poursuivis, sa fuite était à craindre? Est-ce qu'ils les réunissaient au moins beaucoup d'éléments, d'indices de culpabilité? Et qu'aujourd'hui, après avoir arrêté, fait fixer l'affaire, on se rend compte que le même ministère public qui avait arrêté pour détention d'armes de guerre, cette infraction avait été abandonnée. Et le même ministère public sollicita une remise de plus d'un mois. Or, ça... Donc, en matière pénale, et lorsqu'il y a le détenu, c'est un dossier qui requiert célérité. Malheureusement, avec tout ce qu'on a connu, on voit toujours des remises. Bien que la personne soit malade, on se pose la question, pourquoi le régime aille à inverser les choses, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. Il y a des choses à redire encore. Alors, il y a encore d'autres tableaux à présenter apparemment. Ça ne peut pas manquer, vous savez. C'est tout un message, parce que nous n'avons pas parlé de ça. On ne peut pas s'en passer de sujet lorsqu'on parle de Bounagana. 514 jours que notre Bounagana échappe au contrôle et 35 jours depuis qu'il y a eu le massacre de Goma. J'ai participé dans les marches, j'ai organisé les marches. Je n'ai jamais vu un tel carnage. Alors, merci beaucoup, Nico Faye. Nous excusons. Pour ces petits désagréments techniques, nous vous promettons d'améliorer prochainement. Alors, nous poursuivons cette émission Nico Faye. Comme je l'ai annoncé, cette émission tourne autour du processus électoral. Et aujourd'hui, vous avez presque les grands leaders, presque tous les grands leaders de l'opposition qui ont déposé leur candidature. Vous avez Matata Ponyo, vous avez Moïse Katumbi, vous avez même le docteur Denis Mukwege, qui a déposé sa candidature, Martin Fayulu, qui avait refusé avant ces élections, a changé d'avis. Votre première lecture avant d'aller plus loin. Oui, estimé, je commence par là où vous avez chuté. Oui. Je commence par la candidature de Martin Fayulu. Moi, ça ne me surprend pas. J'avais conseillé en 2018 à Martin. Il ne m'avait pas compris et on connaît la suite. Pourquoi les erreurs ne peuvent pas servir d'exemple, d'expérience? En 2018, je l'avais prédit, j'étais incompris. En ce moment-là, ils étaient encore tous dans le rassemblement. Oui. J'avais dit, au vu de son CV, il avait beaucoup de chance si il se mettait à faire le travail de terrain, de fond. Ne pas se contenter de beaucoup de préalables, de conditionnalités, de faire le travail de fond. J'ai été incompris et on connaît la science. Oui. L'expérience, le passé, devait lui servir encore une fois de plus d'expérience. Il refait encore la même faute. Et cette faute, elle est lourde. Elle ne peut même pas s'expliquer si on était dans un état. La faute de Martin Fayulu. De Martin Fayulu.
Et si on était réellement dans un État, on devrait mettre une croix sur lui politiquement. D'abord, il faut que l'opinion retienne ce qu'on entend par parti politique. Le parti politique est une, s'est défini comme étant une organisation politique une organisation de gens réunis autour d'une idéologie. Vous voulez me dire que les idées, les partis de Martin Fayulu n'ont pas d'idéologie? Laisse-moi d'abord définir le parti politique et l'opinion qui nous suit. À partir de la définition que je vais donner du parti politique, chacun tirera des conséquences. Le parti politique s'est défini comme étant une organisation de gens réunis autour d'une idéologie pour la conquête du pouvoir. On n'a pas dit qu'on se réunit autour d'un parti politique, autour d'un individu. On se réunit autour d'un... Vous voulez dire quoi par là? Faisons comme si on était dans l'auditoire. Vous êtes en train d'enseigner. Faisons comme si on était dans un auditoire, oui, de jeu de sciences politiques administratives, dans les cours d'introduction à la science politique. Si on faisait comme si on était en troisième des sciences politiques, dans le cours de TDPS, théorie et doctrine politique. Oui. On définit un parti politique comme étant une organisation de gens réunis autour d'une idéologie pour la conquête du pouvoir. Et non autour d'un individu qui dort, quand il se réveille le matin, il dit non, aujourd'hui nous devons nous engager aux élections. Et à midi, il change. Dans le parti, on peut destituer même le président du parti. Ah oui, ailleurs ça se passe comme ça, ailleurs ça se passe. Le parti de Jean-Marie Le Pen, oui, celui le fondateur, mais il avait été viré. C'est pour cela, je l'ai dit il y a au moins 10 ans. Oui. 10 ans au moins. 10 bonnes années. 10 ans. 10 bonnes années. J'ai dit ceci, qu'on nous donne les moyens que nous puissions nous organiser des grands colloques avec des spécialistes à la matière, des politologues, pour chercher le vocable qui convient au Congo. Parce que le mot parti politique ne convient plus au Congo. Il faut qu'on cherche un vocable propre au Congo, au lieu que nous puissions continuer à appeler ces boutiques, ces ligablos, partis politiques. Alors, merci beaucoup. Revenons maintenant. Je reviens pour dire. Non. Oui. Avant de comprendre mon idée, il faut que les gens obtiennent que quand on va dans un parti politique, on ne va pas pour acclamer les grands monarques. Je crois qu'on a compris. On ne va pas parce qu'il est beau. On va parce qu'il y a une idéologie. Et pour cela, il faut que les idéaux soient respectés. Une grande décision. Oui. C'est une décision de grande envergure lorsqu'on décide de ne pas participer dans un processus. Ce n'est pas une décision qui peut être prise par une seule personne dans un parti politique. C'est une grande décision. À la limite même, il faut un congrès pour ça. Extraordinaire. Et là, il n'y a pas eu de congrès. J'ai dit ceci. Au lieu de se limiter au bureau politique, oui, je dirais même, comme c'est une décision de grande envergure, parce que Eya Kamikolonyo sauté, ça vient au moins après 5 ans. Après 5 ans. On peut même aller au-delà du bureau politique. Il faut convoquer un congrès extraordinaire pour prendre une telle décision. Mais lorsqu'on prend une telle décision, c'est-à-dire, dans vos histoires que vous appelez parti politique, seul le président décide sur tout, à tout moment. Et tous les autres membres, ce sont des wagons.
dont leur point de vue ne peut jamais être pris en compte. Martin, lorsqu'il avait pris la décision, les raisons avancées étaient des raisons valables. Des raisons valables, plausibles. Mais aujourd'hui, son changement... Ce virage à 480 degrés signifie quoi? Donc vous, vous pensez comme les nombreux des analystes, nombreux d'analystes politiques, qu'il serait approché par le régime pour changer de camp. Moi, avant d'arriver à une telle conclusion, nous devons nous poser des questions. Un scientifique se distingue par l'observation, développement et après on tire les conclusions. Est-ce que les raisons avancées par eux, bien que moi, j'étais pour que toute l'opposition se réunisse, fasse bloc, face au danger que nous avons. On va arriver à cette question-là d'ailleurs. Oui. C'est d'ailleurs la question majeure de l'émission. Alors, comment les réseaux avancés étaient plausibles? D'abord, on commence par la Cour constitutionnelle. La manière dont on avait ravi le mandat au juge de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, ici, il ne faut plus encore parler de texte. On peut ravir le mandat au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la députation nationale. On peut ravir le mandat. Ça dépend du bon vouloir de l'exécutif aujourd'hui. Mais les raisons avancées par Essidé et Martin Fallou étaient des raisons valables. Composition de la Cour constitutionnelle, c'était valable. La composition de la CENI, c'était valable. Fichier, c'était valable. Et une grande étape est passée. Dépôt des candidatures de candidats députés provinciaux et nationaux. Nationaux et provinciaux. Tous ces membres-là, c'est-à-dire lui, Martin, il ne voit jamais l'Assemblée nationale et il ne voit aussi même pas l'Assemblée provinciale, plus encore même le sénateur. Lui, il ne voit parce que les sénateurs proviendront des élections au sein des assemblées provincial. C'est-à-dire, il n'aura pas le Parlement, il n'aura pas le Parlement national, il n'aura pas le Parlement provincial. Et vous prétendez diriger comment? Parce que moi, j'aime la diplomatie comparée. Alors, merci beaucoup. C'est une émission, j'estime que on fait les cours des sciences politiques aujourd'hui. On fait les cours des sciences politiques, mais il faut savoir que nous sommes... En tout cas, limité par le temps. Oui, parce que ce genre de débat, oui. Si on n'arrive pas à expliquer comment les choses doivent se passer, peut-être nous risquerions d'être incompris. Il faut expliquer d'abord comment les choses doivent se passer classiquement. Qu'est-ce qu'on entend par parti politique? Qu'est-ce qu'on entend par élection? Tout ça, ce sont des questions que l'opinion doit retenir. Et pour éviter encore des condamnations subjectives. Alors, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement sur Martin Fallou? J'aimerais d'abord que l'opinion sache que oui. Dans un parti politique, on ne se réunit pas autour d'un homme. On se réunit autour d'une idéologie. Ça, c'est un... On n'accompagne pas un homme. Oui. Et les décisions dans un parti politique doivent être prises. J'extrapole. Il faut un congrès extraordinaire. Oui. Comme presque tous les candidats, ils ont été investis par le congrès ordinaire. Matata est investi par son parti au congrès. Oui. Même j'ai vu Deli Sessanga être investi par le congrès à Boma et même Mouzito également. Donc apparemment, presque tous les acteurs politiques ont maquillé sauf Martin Fayoul. Écoutez, moi, quand vous parlez démocratie, oui. Quand vous parlez état de droit, ce ne sont pas vos humeurs. C'est ce que disent les textes. On ne peut pas, un parti politique ne peut pas choisir un président, son candidat président de la République, sans si ce n'est pas à l'issue d'un congrès. Comme les autres ont fait, je vous ai dit, ça aurait été. Bon. Il fallait que je donne le coup de chance. C'est-à-dire. Un candidat président est investi par le Congrès. C'est ce que j'ai dit, les autres partis. Si vous ne pas faire cela, c'est la tyrannie, la pensée unique. Et attention,
Il ne faut pas d'un côté prétendre être démocrate, état de droit, et qu'au sein de votre propre parti politique, vous êtes pire. Alors, merci beaucoup, je pense qu'on peut, mais peut avancer. Mais mon grand regret, moi j'attendais à ce que Martin puisse maintenir sa position d'antan. Étant donné que s'il est Martin Fayulu, c'est parce qu'il a un parti politique et il a aussi des membres. Oui. Il fallait aussi tenir compte de tous ces membres-là. Parce que les membres ne sont pas là seulement pour aller vous applaudir. Ils ne sont pas là seulement pour aller vous ovationner. Les membres dans un parti politique peuvent aussi mettre un point de vue. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Le speaker de la Chambre des représentants, parce que les républicains sont majoritaires à l'Assemblée nationale, bien qu'il y ait un président démocrate, est-ce que vous savez que pour la toute première fois, un député républicain a introduit une motion et le speaker qui est républicain. Mais il se pose aussi un problème. Oui, lequel? Le cursus universitaire. Ah. Parce que Oui, non. Oui. Ici, je parle comme... Je me compte comme étant dans l'auditoire des sciences politiques. Oui, allez-y. Ça va aussi se poser comme... Ça va aussi se poser. Vous voyez, si on était dans un match de football, on parle de goal average. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Goal average. Oui. Oui, tous sont populaires, sont connus. Oui. Matata, premier ministre, il y a ce qu'on appelle l'autorité publique. Oui. Lorsqu'on est autorité publique, lorsqu'on est président de la République, vous avez plus de chances d'être connu par les gens. Oui. Lorsque vous êtes premier ministre, vous avez plus de chances d'être connu par tous les Congolais. Oui. Et surtout que, Matata, j'estime que c'est le tout premier ministre ayant battu record en termes de longévité. Ah, ça il faut le prouver. Il a fait 4 ans, je crois. Plus de 4 ans. Comme premier ministre. Comme premier ministre. Il a fait presque tout un mandat. Oui. Prêt. Pas 5 ans, mais prêt. C'est un atout. Et est-ce que dans... Parce que quand on est premier ministre, vous avez d'abord l'avantage d'être cité presque tous les jours dans les médias. Parce que c'est le gouvernement qui conduit la politique et surtout avec Kabila, qui respectait les textes. Oui, il laissait au premier ministre de conduire la politique oui. du gouvernement au quotidien. Et est-ce qu'il a dirigé utilement pendant les 4 ans et demi? Écoutez, je suis en train de relever oui. les atouts, les éléments qui rentrent en ligne de compte pour qu'on arrive à voter quelqu'un aussi. Oui. Un villageois qui ne te connaît pas. Mais néanmoins, les villageois, là, il s'agit de faire un vote, un choix. Mais il a déjà entendu un nom. Il va faire quoi? Il va voter ces noms. Les noms qu'il a déjà entendus. Oui. Le fait d'être premier ministre, vous avez l'avantage d'être cité presque tous les jours. Tous les fonctionnaires vous citent tous les jours. Quand ça ne va pas, on vous cite. Quand ça va, on vous cite. Parfois, le fait... Pourquoi on dit que non, nous ne voulons pas... Le fait de citer seulement quelqu'un, ça peut contribuer à sa publicité. Oui. Moïse Katumbi a aussi fait des prouesses. Avec beaucoup plus dans le secteur sportif. Oui, avec Mazembe. C'est la seule équipe qui... Le seul club. Oui. Le seul club. Parce que quand on parle bilan, oui. vos bilans ne doivent pas seulement être dans chimérique, utopique, illusoire. Le bilan aussi doit être dans le secteur des sports. Oui, avec Katumbi, ce qu'il a fait là. Non. D'abord, voyons le sport en général à l'époque de Matata et de Kabila. Oui. Il y a eu beaucoup de prouesses. On a eu à remporter 2 chaînes. Oui. Ça rentre dans l'actif de quelqu'un que vous ne vouliez pas. C'est ça le vrai bilan. Et surtout qu'à l'époque, Matata et Kabila et Katumbi étaient tous dans la même équipe. Écoutez, les étudiants, ce sont des sujets de... Des sujets de recherche. Oui. Ils doivent noter.
Parce que... Au lieu d'aller sur Internet, aller rechercher, il y a quelqu'un qui vous les raconte. Gratuitement. Gratuitement. Il suffit juste d'allumer la télé ou bien d'aller sur Internet, vous cliquez Peter Tiani, RDC Télévision, oui. Et vous, vous avez de la matière. Vous n'allez pas payer le transport. Non, vous devez aller voir... Qu'est-ce qu'on dit? Recherche sur terrain, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire ici. Quand on va chercher les recherches, les interviews, c'est quoi? Oui, qui était Premier ministre en 2012? Même à l'école, au fin fond là-bas. Au fin fond là-bas. On sait que c'est elle. Voilà. Culture générale. Bancarisation. Oui. Kabila Matata. Tu vas refuser ça sur base de quoi? J'ai même vu une vidéo où les chefs de l'État sur nos confrères de Top Congo louaient la bancarisation, la vidéo circule. Attention, s'il vous plaît, estimé Merveille. J'ai 32 ans de vie active, oui, dans cet univers. Moi, je vis mon de couillous, c'est-à-dire mon défunt père, oui, manquer de l'argent liquide, mais il avait l'argent sur papier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de liquidité dans les banques. Les boboutistes ici qui parlent ici. Attention, mon frère, on a vu des histoires dans ce pays. Tu y as des millions sur papier, mais zo yango casse. Plus de liquidité. Plus de liquidité. Et chez la, certains amis de mes parents qui étaient malades sont morts comme ça. Manquant comment aller à l'hôpital parce qu'ils n'avaient plus de liquidité. Quel est ce Zaïrois qui avait encore confiance à la banque? Qui est-ce que le César... Écoutez, qu'on note, hein, que le César qui avait confiance à la banque. Mais il lui fallut, parce qu'il faut poser aussi les questions avec les dates. Oui. Qu'on pose la question. Les 18 les 17 ou bien le 18 janvier, oui, 2001, au Congo, on avait combien de banques commerciales? À part la BCDC. Voici le vrai débat. Que les gens ne viennent pas tromper les gens. Les Mouboutistes, lorsque je vois les Mouboutistes parler, moi je suis en train de me poser la question, on est où là? Les Mouboutistes et leurs enfants, ce qu'ils nous ont fait dans ce pays. L'enseignant congolais, oui, les fonctionnaires congolais, que le ses parents qui pouvaient accepter de marier sa fille à un fonctionnaire de l'État. Est-ce que les enseignants zaïrois étaient même payés? Les professeurs d'université, de l'école primaire jusqu'à l'université. Un professeur ordinaire, je prends un témoin, professeur Kalele Kabila. Oui. Je le cite sur votre plateau. Il est de la Mouka d'ailleurs. Je le cite. Oui. Le 17 mai 1997, il avait quel salaire? Comme professeur ordinaire. Et Kabila Matata, 2 000 $, 2 200 $. Je ne dis pas que c'était beaucoup. Ça, ce sont les évidences. Oui. N'en déplaise aux envoûtés. Discute avec ces chiffres-là. Un magistrat de l'État, moins de 100 $ payé de manière irrégulière. Je le cite. Hein? Oui, oui. Un médecin de l'État, avec un salaire, moins de 100 $ payé de manière irrégulière. Oui. Les hôpitaux de l'État étaient quoi? Des mouroirs. Des mouroirs. Kabila a organisé le pays, Matata est venu le compléter. Ce sont les évidences. Vous savez que vers les années 90, oui, il y avait ce mouvement. Les magistrats quittaient la magistrature pour aller dans l'avocature. Vous le savez, je parle aux magistrats, aux avocats. C'était l'inverse. C'était dans le sens contraire. Oui. Mais lorsque on a valorisé, je ne dis pas qu'ils sont allés au-delà, mais lorsque vous quittez moins de 100 $, payez de manière irrégulière, oui, et que vous atteignez 700-800 $, payez de manière régulière. On voit des avocats se bousculer pour aller dans la... Aujourd'hui, c'est le sens contraire. Les avocats quittent l'avocature pour aller dans la magistrature. Et tout ça, c'est Matata. C'est Kabila et Matata. Qu'on les veille ou pas, ce sont les évidences.
Donc ce sont... Non seulement ça. Oui. Vous risquez de... Je vais vous donner les éléments que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup qui parlent ici. Moi, je m'en moque. Je m'en moque. Moi, mon père fuit à la territoriale avant d'intégrer la politique. Mon père avait été retraité ici, à Kikwit. Mon père a reçu pour la toute première fois qu'un président zaïrois à Lodia. Pour quitter Kikwit ici et arriver à Kinshasa. On faisait 3 semaines, 1 mois. Kikwit Kinshasa ici par voie routière. Aujourd'hui, Kikwit Kinshasa, c'est par IST. Ketch au Kende Kikwit. Grâce à qui? Kabila Matata. Bon, écoutez, je vous donne les faits. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut qu'il y ait les éléments. Goal average. Donc, Matata a... Goal average. Oui. Vous êtes tous populaires. On va voir les buts marqués. À l'étranger qui compte double. Bien marqué, bien encaissé. Tu vois, oui. C'est ça le goal average. Donc vous estimez... Non, à ce stade, oui. Du point de vue cursus, oui. Parce que quand on fait le CV, oui. Le CV a des rubriques. Point 1, identité. Tout le monde a l'identité. Point 2, études faites. Point 3, expérience acquise. Oui. Mais Katumbi a de l'expérience aussi. Hein. Non, j'ai dit ceci. Pourquoi j'ai parlé de goal average? Oui. C'est parce que il a Matata à gérer. Premier point, identité. Tout le monde a une identité. Deuxième point, études faites. Primaire, secondaire, université. Troisième point. Expérience acquise. Quatrième oui. Point, langue parlée. Ce sont des candidats qui se valent. Maintenant, s'il faut aller dans les détails... Matata, langue parlée. Non, j'ai dit ça si... Non, non, sur base... Sur base de ces éléments. Mais l'opinion, le peuple qui vote, n'entre pas dans tous ces détails. Mais néanmoins, peut nous prendre avec 80% de ce que je dis. Oui. Mais vous souhaitez que les candidats de l'opposition, cités, travaillent ensemble, c'est ça? Écoutez, face au mal, face au degré de la misère, du recul que nous sommes en train de connaître, s'il y aura élection, il faut un président qui s'y connaît, calé, autoritaire, discipliné. Alors, vous êtes parfois dans les détails, Nico Faye. J'aimerais qu'on parle un peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Hein? Le panier de la ménagère. Vous êtes spécialiste en ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple le dollar et qui est en train d'augmenter. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 25, si je ne me trompe pas. En tout cas, 10 dollars s'échangent aujourd'hui. 25. Ça y est là, vous pensez qu'on ne peut pas... Parce que, mais... 100 dollars, c'était à 160 000. Oui. Quand Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sont arrivés, 225 000. Aujourd'hui, 100 dollars, c'est 253 000. Normalement, les dollars, c'est 26. 26. Mais néanmoins, à la sortie de cette émission, oui. Sur Pessinga 100 dollars, Toko changé à 253 000. Yako Lukate. Donc ça change. Yako Lukate, 253 000. Bien qu'à certains endroits, c'est 235, 238. Mais néanmoins, pour O Lukate, 253 000. Ici à la sortie. Or, pourquoi aujourd'hui beaucoup de mes fonctionnaires regrettent? On trompe les gens qu'il y a inflation. Oui, inflation, ça existe partout. Mais il y a les États qui travaillent pour combattre l'inflation.
Comment on combat l'inflation? On combat l'inflation par la création des emplois et les augmentations des salaires. Figurez-vous, allez ici à la SONAS, allez leur poser la question, on leur paye à quel taux? Ah, ils ont toujours les taux référencés de 92. Depuis Matata. Je me fais comprendre. Ici, nous sommes loin de la SONAS, non? Oui. Et vous, malheureusement aussi, quand on va vous appeler, vous ne me ferez même pas part de cela. Non, parce que quand moi je viens comme ça, avec un soleil de plomb, que je viens de me pulmoner, c'est pour que l'opinion, ceux-là qui vont nous suivre, notent. S'ils aimeraient, allez mener des recherches, qu'ils aillent mener des recherches. Allez ici à la SONAS. On paye l'assurance en dollars. Si vous n'avez pas le dollar, vous payez en francs au taux du jour. Quel taux? 253. Mais quand il faut payer... Quand il faut payer, le même argent qui a perçu 253 000 francs congolais, wana. Vous foutiez 92 ou bien 88. Et vous allez dire que non, l'inflation est mondiale. Voilà, non, non, voilà comment on trompe les gens. Ce sont des sujets qui touchent à l'homme. Le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Mon frère, il ne faut pas minimiser ces détails. C'est ici où on vous trompe. Aux États-Unis, en France, en Angleterre. Là où ils ont tout. Parce que ici, vous avez dit, oh, on va construire les routes. Dans chaque campagne, oh, on va construire les routes. Oh, on va construire les immeubles. Mais là où il y a déjà les routes et les immeubles, qu'est-ce qui sera au centre des thèmes des campagnes? Ce sont ces débats. Ces petits détails. Augmentation de la facture d'eau, d'électricité. Figurez-vous, vous me payez au taux de 92. Mais quand il, faut payer la même. Quand il y avait le taux de 92, l'union ku oyo obama babenga ka si te peux pas gâter l'union ku obama babenga ka ça y est 40 ezaka 100 francs ça y est 40 ça y est 40 l'union ku mobeso na mwanguba ezaka 100 francs na kosi ba congolais ça c'est sous quelle jusqu'au 24 janvier 2019 non oui c'était 100 francs ba congolais batala l'union ku oyo ya mobeso ba chemanguba na kati. Oh, ben, ça y est 40. C'était à 100 francs. Mais, en Jean et à Sonas, on va foutre dans le notaire. Mais les lots, oh yo, ça y est 40, on a commis 500 francs congolais. Ah, ça coûte maintenant. 500. Parlons maintenant en termes d'inflation. En termes d'augmentation de pourcentage. 400% d'augmentation. 400. Mais ces fonctionnaires à qui l'on payait 400 dollars autour de Rwanda, on les a mis sur la Lelo 5, ça y est 40, l'union que Oyo a au Somba, ça y est 40 tout le monde. Le pouvoir d'achat fait quoi? Le pouvoir d'achat fait quoi? C'est comme ça qu'on réfléchit à l'économie. Nous passons cette émission à 17h passée. Bimaka Awa, na boulevard. Meka Transport, Lemba, quartier 1, Bitabe, pompe. D'ailleurs, heureux que pompage, heureux que vous peine à Wate. Il faut prendre magasin. Il faut qu'un magasin. À la limite, même, on va mettre à Yopé, Mandela. Mandela, il faut pas mettre Batetela. Batetela, pas remettre magasin. Prenons le transport normal. 12h, 13h. Gare centrale. UPEN. Gare centrale, magasin, taxi 1500. 1500. Oh! Le 24 janvier 2019, transport on a acquis 500 francs congolais. Et c'est ça la raison d'être de la création de Transco, esprit de vie et nous transkins. Sous Matata toujours. Et Kabila. Sous l'impulsion de... Parce que si Kabila n'avait pas avalisé, ça ne passerait pas. Oui. Mais moi, il faut reconnaître, l'honnêteté scientifique nous oblige, pour nous les scientifiques, oui, à dire les choses telles qu'elles sont.
Ma chemise à quelle couleur? Toi, tu veux faire quoi? Cette chemise à la couleur blanche? C'est ça que vous, les Congolais, vous voulez nous faire croire. Pourquoi on a créé les sociétés de transport de l'État? On crée les sociétés de transport de l'État pour desservir la population. C'est ça la mission première des sociétés de transport de l'État. Figurez-vous, mon frère. Comment expliquer 500 francs, vous êtes à Rigini. Oui. Rigini, fonction publique, 500 francs. C'est dans quelle intention? Rigini, fonction publique. Écoutez, bas congolais, c'est le procureur qui vous parle. Est-ce qu'il y a-t-il une ligne, il y a Rigini, fonction publique ou pas? Ça existe, ça c'est sûr. Mais pourquoi un long trajet comme ça, 500 francs? C'est quoi ça? Dans quelle intention? L'État a une dimension sociale. Les services publics ont comme mission de servir la population, rendre des services à la population. Ne pas le faire, c'est l'anarchie, c'est autre chose. C'est sévir. Quand on crée Transco, un long trajet comme ça à 500 francs, vous pensez que pour maintenir ce bus-là, c'est seulement avec l'argent payé par le passager? Non! Il faut qu'il y ait toujours la subvention. Des subventions de l'État. C'est ce qui s'est fait. Il y a deux subventions. Il y a la subvention d'équilibre. C'est-à-dire, là, l'État donne des moyens, donne de l'argent liquide à la compagnie sur Transco. Et il y a la subvention en carburant et huile. L'État doit aussi, pour maintenir, donner des huiles. À l'époque, parce que j'ai le montant, à l'époque, Transco bénéficiait 400 000 dollars par mois. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, d'après les informations à ma possession, on a maintenu la subvention en carburant, mais la subvention d'équilibre qui n'existe plus. Écoutez, il y a deux subventions. Subvention d'équilibre, oh, bah, paye ça. L'État, il faut appeler ça. Mbongo, na subvention, il y a carburant, na huile. Il y a huile, il y a monde, la difficulté aussi qu'à Kobil. Parce qu'il faut que les gens retiennent. L'État dit à Kobil, paye ça Transco, carburant. A foutité. N'est-ce pas qu'il a foutu à gâter. Transco, il y a au moins qu'à Babisson, Transco, il y a une des dévastations à Kobil. Parce que tu as carburant. Mais néanmoins, on sait que non. Durant le mois d'octobre, il faut Transco à carburant. Dans Kobil, il y a 400 000 francs congolais. Nawil, ça se faisait pour Transco, ça se faisait pour nous Transkin, au Baboumi. Il y a Vilouana. Oui. Oui. Parce que, pardon, Kingasa les Zando, 500 francs. Il y a une dimension sociale, ce qui n'existe plus. Peut-être que je vais vous surprendre. On a créé Congo Airways. Oui. On a créé Transco. On a créé nous Transkin, on a créé aussi Esprit de Vie de manière indirecte. Oui. Est-ce que vous savez qu'on vient de créer par le régime Transacadémie? Transacadémie. Une société créée par l'État, dont les agents n'ont pas de contrat du travail. Oh. Vous le savez? Donc Transacadémie, c'est une société créée par l'État. Je ne sais même pas s'ils ont déjà la personnalité civile, mais il n'y a pas de contrat de travail. Ça se passe comment là-bas? C'est de bouche à la bouche. De bouche à l'autre. Nico Faye, nous sommes déjà en train de... Non. Je vous dis des choses, mais parfois, ça vous... Est-ce que vous savez que non? Transacadémie, les agents n'ont pas de contrat de travail. Ben, non comme... seulement ils n'ont pas de contrat de travail, bientôt la coca moitié au bac est grève. Un paiement peut pas dire. Est-ce que vous bien, go? Alors... Transacadémie, est-ce que vous bien, go? Vous m'informez. Bon, je risque d'oublier. Les médecins qui ont travaillé dans l'équipe de dans la commission médicale, il y a francophonie. Pas payés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas payés. Zéro rond. D'après les médecins qui m'ont saisi, ils ont dit que c'était convenu ainsi. 300 dollars par jour. Ration, transport, bah, me foutez la bango moko. Mais banda babandaki. Nandenge ba silici. Ni transport. Ni transport. Maïga ya bango moko. Dis les lots.
Vous ne savez pas que non, je crois que lundi, ils étaient à la primature. Hein. Les médecins, sans compter tous les prestataires. Disent qu'aujourd'hui, rien dit. Je parle de médecins et qui n'ont rien touché. Les membres de Croix-Rouge auraient touché la moitié. Mais le médecin, 300 dollars, zéro rond. On est où là? Mais prenant. Non, parce que vous avez la comparaison. Tu peux comparer Transacadémie à Transco. Lorsqu'on a créé Transco, vous avez entendu les réclamations de contrats de travail? C'est tout le monde qui a envié d'ailleurs à être engagé. C'est sur base de ces éléments-là qu'on arrive à voter quelqu'un. Votre personne, vous avez détruit. On vote parce que... Parce qu'il y a des prouesses. Donc, au regard de ces éléments-là, la population peut facilement voter. C'est lui qui a participé à la création, s'il est candidat, c'est ça? Je dis, écoutez, est-ce que vous comprenez... Est-ce que j'ai fait ce qu'on appelle la socialisation politique? Oui. Sur le plan classique, on vote quelqu'un sur base de son passé. C'est-à-dire, on doit interroger tout un chacun sur son passé et son projet de société. Les deux sont cumulatifs. Oui. Alors, mais si vous avez un passé négatif, vous avez un projet de société. Parce que tout le monde doit avoir un projet de société, il y a bien. Oui. Mais passé des rames, my God. Alors, nous sommes en train de chuter. Si il faut résumer votre discours, selon vous, vous avez là, au niveau de l'opposition, deux candidats. Il y a deux candidats sur base desquels il ne faudrait pas tergiverser. Alors, en résumé... S'il y aura élection. Alors, en résumé, selon vous, Nico Fay, parce que là, vous avez parlé de beaucoup de choses, hein, pour vous suivre et comprendre, il faut 45 ou inhabitants. Non, ce que vous avez dit est vrai, mais sauf que s'il faut tout comprendre, il faudra peut-être 1 heure ou 45 minutes. Si quelqu'un nous prenait à la fin de l'émission maintenant et qu'il vous surprend en train de dire que Matata Ponyo et Moïse Katumbi sont les deux candidats potentiels qui méritent normalement d'être choisis, hein, comme candidat unique de l'opposition. Que diriez-vous en quelques secondes sur Matata Ponyo et en quelques secondes sur Moïse Katumbi en termes? Je pense que le vote, oui, s'est défini comme étant une aliénation de ce droit au profit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quoi? Ngai Moudadine du peuple Nico Fay, Nazali Kondima, Kopona Moutoumoussous, Moutouana Akendekosa la Moussa na place au Yangaï durant un mandat, durant une période bien déterminée. C'est ça le vote. Oui. Vote basakana kanangote. Parce que Onyo Sotoko Lalelo, c'est parce que peut-être hier on avait été menti. Oyo, il faut 4 ans, 5 ans, Oyo, Tchokole Kaya, parce que Oyo était Yaba Congolais. Oui. Que Basala Kachoua Yama Bete. Soko Sali Choua Yama Be, Yeba Keno, Olubi, Passi, et continuer. Bunangana, Babusanza, et Kenna Uganda. C'est-à-dire, le candidat, les électeurs, avant d'y aller, doivent réfléchir mille et une fois. Parce que nos vies en dépendent. Nos avenirs, avenir Yangaï, Yayo, Yaye, ils ont dépendent de notre autocopona. Soit Oponi Mouyibi, tu t'entends à quoi? Soit Oponi Soulard, tu t'entends à quoi? Soit Oponi Ambianceur, tu t'entends à quoi? Il faut voter indiscipliné. Il faut voter quelqu'un sur base de ce qu'il a déjà fait, pas de réalisation. Vous savez, aujourd'hui, si on arrivait à avoir un changement, vous savez, au lieu de démarrer, on va chercher à colmater d'abord. En cherchant à colmater, c'est-à-dire Mikoluzo Kendaka. Or, le rythme que nous avions en 2019, si ce rythme-là était maintenu, le Congo serait loin. Mais le comble est que le rythme de 2019, du rythme de Nyosuana a été cassé. Parce que si on a une dynamite, il ne faut pas détruire Yango. Comment est-ce que tu es, mon frère? Qu'est-ce que tu es? Nous sommes les transports.
Bien sûr, en tant que Congolais. Oh, non, oh, non. Aux Congolais, mais c'est pour battre la Transco. La seule preuve, mais moi, je te montre ma preuve. Donc, vous avez gardé les tickets de Transco. Hein? Bien dans la Transco. Pour connaître les réalités, il faut qu'on ait un passe à Congolais. Bimaka Awa. Au bête de transport, 250. 250. Est-ce qu'on dit que non? Bah, ligne moussou sur la transco, bah, tira qu'il koufi. Vous avez écrit tout ça? Mais attention, je suis progrès, pourquoi? Vous pensez que moi, j'ai pas dit? Ah. Yoka. Ligne à transco, ligne 3. Ngiringiri, gare centrale, ligne on est koufa. Les Congolais, les Kenyans me suivent, hein? Ligne 29, Kaluka-Zando, ligne on est koufa. Ligne 6, Mokali-Zando, et koufa. Ligne 28, Cité Verte-Zando, et koufa. Ligne 11, Kapela-Kininga-Lema, et koufa. Ligne 14, Matete-Ipen, Batirekana Bismoko. Bismoko. Ligne 24, Zando-Intendance, et koufa. Or, toutes ces lignes desservaient la population. Le pôle intendance au coma Xando, il faut foutre à combien? Mais n'a revenu au Wapi. Le bon enseignant, parce qu'on parle d'enseignant, qui vous touche 380 000 francs congolais. Il vient enseigner ici, à la bonne intendance. Il va vous dépenser combien par jour? Comment cet enseignant ne peut pas se faire corrompre par l'enfant? Il n'y a pas d'école Oyo. Il n'y a pas d'école Oyo. Il n'y a pas d'école Oyo. Comment un enseignant ne peut pas être tenté à que le gouvernement ait moins à attendre ça? Pour aller, il faut faire attention à 5 000 pour qu'on ne pas naïf. C'est comme ça qu'on réfléchit dans un État. On a quoi la bas d'État pour que les gens arrivent à comprendre cet seul État. Bref. Attends. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je crois que les téléspectateurs vous ont bien compris. Il faut faire vite parce que là, on a déjà terminé. Alors, qu'est-ce que nous disons? Oui. Bah, Congolais, pas sous tout le monde. Vous avez bilan calamingité. Vous avez 150 produits. Émission bilan. 150 produits. 150 produits. 150 produits. Quelle qu'il est 2019. Tononande. 5 ans, on continue à te payer à ton nom. L'enseignant, parce que dont on parle le plus, il faut son bac à savon apparaître, Nicolas. Lorsque les 3 savons génie quittent de 500 francs à 1600, 1700, comment combler 1200 francs? Dans ta transcours, il faut avoir un taux à 106. 100 dollars, 106 000. Toi, on est à Wapi. Mon frère, toi, les Awapi. Alors, merci beaucoup, Nico Fay. Non, mais nous devons chuter. Alors, votre mot de la fin, regardez la caméra, placez le mot de la fin et puis on va désannoncer l'émission. Très chers Congolais, nous traversons une période très difficile, une période de tension. À l'Est, on ne les a pas oubliés. Des massacres au quotidien. Aujourd'hui, on apprend que ce sont les Ouazalendo qui tentent au moins de résister au M23. Qui tentent. Les mêmes Ouazalendo. Les mêmes Ouazalendo. Je ne sais pas si c'est une branche armée. Si c'est la branche armée. Je ne sais pas si c'est la branche armée des Ouazalendo. Les mêmes Ouazalendo traités des Rwandais. Traités des Rwandais. Je ne sais pas si c'est les mêmes Ouazalendo. De l'autre côté, quand ils combattent le M23, on a... Mais quand ils disent que non, le MONUSCO préparait déjà au Kenya, là on vient le massacrer. Busanza vient d'être annexé par le Rwanda, par l'Ouganda. Il y en a deux. Il y a quelqu'un qui est sur la croix, je vais voir les noms. Ils sont annexés par l'Ouganda. Mais de l'autre côté, Kinshasa vous dit, nous avons de bons termes avec l'Ouganda. Et moi je me pose la question. On est où? Il reste 76 jours, s'il y aura élection. Moi, si ça dépendait de moi, je ne vois pas comment on peut aller au vote.
avec quelle carte? On dit aux Congolais que non, il faudra des duplicata. Duplicata. À qui est-ce qu'on remet les duplicata? Moi, on ne peut pas me remettre les duplicata. Parce que j'ai la pièce, elle est avec moi. Mais s'il ne faut pas aller voter, donc le président reste en fonction jusqu'à là? Non, ce n'est pas ça. Mais vous Kabila est resté en fonction jusqu'à l'installation. Vous ne pouvez pas vous organiser en organisant mal les choses. Qu'est-ce qu'il y a encore avant de terminer l'émission? Parce qu'on veut les élections, non? Oui. Toi, si c'était toi, qui voterait avec cette pièce? En tout cas, la mienne aussi est comme ça. Il n'y a plus d'images, il n'y a plus de photos, il n'y a plus de noms. Maintenant, tu vas voter comment? Mais écoute, Lucas, le maître peut dire ça. Le nom va sortir. Écoute, ce sont noir et blanc. Nous, ce sont noir et blanc. Mais le nom va apparaître. Pire! Tu y as un truc pareil, tu t'es, au moins c'est la CENI qui te l'avait donné. Quand tu rentres avec un truc pareil, la CENI ne sait même pas vous retrouver dans leur banque de données. Oh. Je soulève les difficultés auxquelles mon peuple est confronté. La même pièce là, la CENI qui t'avait envoyé, qui t'avait donné ce truc. Quand tu retournes, tu dis que non, et longue exaté, combo nanga exaté, numéro exaté, bah quoi ça que non code qui est exaté. Quand tu rentres là, on ne sait même pas tes répertoriés. On est où? Merci Nico. Du brique. Au braque. Merci beaucoup. C'était... Pour ceux qui aimeraient nous contacter, peuvent nous contacter au plus 243 81 64 44 165. Plus 243 81 64 44 165. Voilà, le numéro de Nico Faye est là. C'était votre émission, l'invité de Yerengue. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion le samedi à 9h30 sur Perfect Télévision, la même émission à suivre en boucle sur notre chaîne partenaire Niota Télévision, mais également sur la chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision. Les extraits, vous pouvez couper. Quant à moi, je vous retrouve le jeudi prochain à la même heure avec un autre invité avec le même plaisir. Allez, au revoir.